Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo d'Urbex. Alors là, nous sommes au mois de mai, nous venons juste de finir le confinement, mes cheveux le confirment. Aujourd'hui, nous allons essayer de voir un château abandonné. C'est parti! Maxence, t'es prêt à passer par le trou d'entrée Bien sûr, bien sûr, je suis prêt. Alors c'est parti. Allez-y. Il est pas bien, hein. Alors là, on s'enfonce dans la forêt par le trou qui a été fait par d'autres personnes. Merci à elles. Comme vous pouvez le voir, il fait super bon, je suis en t-shirt. C'est une journée parfaite pour se promener dans les bois. Là, il y a un dolmen. Ouais, exactement. Mais ça, c'est pas un dolmen, ça. Ah tiens, c'est une aération. Il y a un peu de route. Oula, attention, c'est très meuble et sable mouvant. J'ai perdu ma chaussure. Hein. J'ai mis mon pied dedans. Ah bah faut pas prendre des chaussures réutilisables. Ah, ça pique les jambes. On se rapproche. On y est. Ça m'a l'air tout là d'être le château là. Donc je pense qu'on va prendre le chemin et longer quand même sur la droite pour continuer à être à couvert. D'accord. Ah oui, le château il est là. C'est beau quand même. Ah ouais. T'as vu, il y a un panneau. Je crois que c'est le panneau danger. Et ils ont vu des mecs prendre une photo depuis là. Attends, juste voir le château après on continue le chemin. Quand même super beau. Comme vous avez pu le voir, on voit le château, mais on se prive un peu, on passe sur le côté pour être le plus à découvert possible, le moins à découvert possible, parce que bon, y a quand même un grand espace dégagé. On fait ça discrètement, enfin, on essaye.
Ça doit être la maison du gardien, ça. Et là, il y a l'hôpital abandonné à côté du château. Bienvenue. C'est beau. C'est quoi le truc blanc là-bas là? Je pensais que c'était un animal. Ouais, moi aussi. Je pense que c'est un panneau. Ils sont bien là-bas. En vrai, ils sont bien là-bas. Je suis quand même content que j'ai vu les magnifiques. Ouais, moi aussi. Comme ça on est plus caché de la route. Et des WC qui sont cassés. Mmh. Les gars, ils rentrent avec des bières jusqu'ici. Hein. Motivé. Hein.
tellement dommage qu'un aussi bel endroit soit interdit d'accès. Enfin, normalement. C'est marrant. Regarde, c'est marrant, il n'y a pas de croix. Ah putain, c'est excellent. Quand même très classe. Hein. C'est, mais ce qui est cool, tu vois, ça serait, comme tu dis, ça serait entretenu et tout. Là, tu aurais de la flotte et tout, ce serait magnifique. Avec une fontaine là. Ça, c'est le théâtre, ça. Ça, t'as le rideau rouge avec la lumière. Ça a une tête de théâtre. Dionysos. Ouais. Il y a Dionysos. Bon là aujourd'hui c'est que de la beauté extérieure, hein. On pourra pas rentrer dans les bâtiments. Ben voilà, on aura croisé personne. Que de l'herbe extérieure. Ouais, c'est ça, c'est très joli. D'ailleurs, c'est marrant, sur le balcon, il y a des plantes et tout. Ah oui. Bah oui, c'est comment ça se fait. Les gars, ils ont mis ça là-haut. Ils ont monté ça là-haut. Ben, je pense qu'il y a déjà des bacs, ils ont dû mettre des graines. Et puis avec la pluie naturelle, ça a dû monter, ça a dû pousser. Les briques, ils en ont mis partout. Tu vois que les mecs ont essayé de percer, mais ça part. Hein. Et les petits trous. Ouais. Quoi? Bah, ils ont bétonné avec le truc, la porte, et t'as un accès par le toit. T'en as un autre de l'autre côté, t'as une échelle, mais c'est condamné aussi. Il y a du tout condamné. Même le truc qui devait être la chaufferie, ça a été condamné et tout. Ah, ils rigolent pas ici. Ouais, ils ont tout condamné. Bon alors Maxence, quel est ton bilan de
ce lieu d'Urbex. Ouais, c'est très joli, très très joli. On peut pas rentrer malheureusement. Non. Et vraiment les entrées sont vraiment il n'y en a pas. Bon, alors faut forcer mais c'est trop à découvert. Tout est bétonné. Donc, c'est très très joli. Ouais, franchement, bon. Après avec un escabeau je dis pas on peut rentrer mais. Il y a des endroits oui mais bon. Ouais, c'est facile. Facile au moins 2-3 mètres de hauteur. Mais bon, par contre je pense qu'on est d'accord qu'un beau château comme ça, ça mérite d'être rénové pour pouvoir être visité pour de vrai. Faire attention quand même le bâtiment, apparemment il est sous surveillance, caméra ou je crois quoi. Il y avait écrit alarme. Ouais. Rien vu mais bon si jamais. Ça va. Très bon lieu. Et on termine cette vidéo sur ce magnifique château que j'espère je reviendrai un jour. Pour admirer sa beauté.